Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 23 février 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore. Je viens nous encourager à nous réveiller parce que le Seigneur arrive bientôt et très souvent on peut être pris dans toutes sortes de pensées en se disant qu'on est prêt, alors qu'en réalité on doit s'apprêter à tous les jours jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et vous savez, notre vie de chrétien, ou bien d'église, ou bien en tout cas notre vie de ce monde, nous donne souvent de nous asseoir sur nos lauriers. Alors de penser que, bon, parce qu'on a donné notre vie un jour à Jésus, parce qu'on va à l'église, parce qu'on prie quand même souvent, etc., etc., parce qu'on fait partie du groupe de prière, et puis qu'on est prêt. Alors que on n'est jamais assez prêt ou suffisamment prêt. Tu dois t'apprêter à tous les jours, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Parce que Jésus-Christ, il a dit quelque part, je pense que c'est dans le livre de Luc, il a dit, priez afin que vous soyez comptés dignes d'échapper à ces moments-là. C'est-à-dire ces moments terribles-là qui vont venir sur la terre. Alors vraiment que le Seigneur nous donne d'être éveillés. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur la série Comment passe-t-on de chrétien normal à chrétien possédé, le 2. Alors, écoutez, c'est quelque chose qu'on connaît, mais souvent on n'y accorde pas tellement d'importance parce que on vit avec la pensée que je suis chrétien, alors que peut me faire le diable? Alors, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils se retrouvent devant une situation, ou bien quand tu vis une situation difficile, alors, quand ils veulent venir t'encourager, ils te disent, hey, tu sais quoi, ne t'inquiète pas, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Oui, ça c'est un fait. C'est Jésus-Christ même lui-même qui l'a dit. Mais est-ce que tu vis comme celui-là qui est en toi? Est-ce que tu vis ainsi? Parce que celui-là qui est en toi, il peut être tout simplement là en toi, mais en tant que spectateur. Parce que tu ne le laisses pas vivre sa vie en toi. Maintenant, si tu laisses la vie, celui-là qui est Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit en toi, si tu le laisses vivre pleinement la vie de Jésus-Christ en toi, c'est sûr et certain que tu seras triomphant de toutes les situations qui vont venir sur ton chemin. Amen. Donc, il est donc important qu'on puisse vraiment avoir la volonté de pouvoir sortir de ces liens-là que le Seigneur nous montre. Alors, la clé, c'est notre volonté. Jésus-Christ ne nous a pas créés comme des robots. Dieu le Père ne nous a pas créés comme les robots. Il nous a créés vraiment avec la volonté, avec le libre arbitre, de telle sorte que nous soumettons volontairement notre volonté, excusez-moi la tautologie, à Jésus-Christ. Alors, il ne doit pas te forcer. De telle sorte que quand tu viens à lui, alors Jésus-Christ te dit, si tu veux vraiment venir à moi, il te dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. Alors souvent on veut venir à Jésus-Christ, on veut que Jésus-Christ porte notre croix et on la dépose là-bas. Mais Jésus-Christ, rappelez-vous, il a porté la sienne. La croix de Jésus-Christ était de venir et de mourir sur le bois du calvaire pour nous. Il a porté la sienne. Et Jésus-Christ te dit, écoute bien, c'est que si tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. À quelque part, peut-être que Jésus-Christ va utiliser quelqu'un, un Simon, à quelque part pour venir te soutenir, mais il te dit, tu dois porter ta croix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devant le trône du Père intercédant pour toi. Il intercède pour toi. Parce que lui, il a fini sa part. Il a dit, tout est achevé. Et quand il a fini, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Il reviendra de là, dit la parole de Dieu, pour juger les vivants et les morts. Alors, toi qui es sur la terre, tu dois aussi vivre ta part. Alors, ta part, ce n'est pas de mourir sur la croix du calvaire, parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous. Ta part, certainement, c'est quelque chose que Jésus-Christ connaît et il veut te le communiquer afin qu'un jour, quand tu seras devant le Père, tu ne rougisses pas de n'avoir pas accompli ta destinée sur cette terre. Amen. Mais il te revient de vraiment porter ta croix. Regardez quand Jésus-Christ était sur la terre, il y a des gens qui sont venus le voir, qui lui ont dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus-Christ a dit, regarde. Les renards ont des terriers, et puis bon, voilà, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Alors, l'autre a dit que, ah, Jésus-Christ, laisse-moi d'abord aller enterrer les morts. Et Jésus-Christ a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. À un autre, Jésus-Christ a dit, ah, toi, viens, suis-moi.
Et puis voilà, c'est celui-là. Il a dit, oh, je dois aller enterrer mon père ou bien quelque chose comme ça. Jésus-Christ a dit, laisse les morts enterrer les morts. Question de dire que, à toutes ces personnes-là, Jésus-Christ leur a montré ce qu'il est bloqué de le suivre pleinement. Alors, toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui te bloque de suivre pleinement Jésus-Christ? C'est quoi? Est-ce que c'est l'opinion des gens? Est-ce que c'est ton rang social? Est-ce que c'est ton nom? C'est la veste que tu portes? Je ne sais pas ce que ça peut être, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ou bien c'est la pensée que tu te... Comme disent mes enfants, maman, maman, ils se pensent bon. Est-ce que c'est le fait que tu te penses bon? Et puis tu es pris dans une sorte de fierté. D'orgueil qui fait que finalement, au fait, tu suis Jésus, mais au fait, tu n'as pas laissé tout ton bagage intellectuel, par exemple. Il y a des gens qui sont pris dans le filet de l'intellectualisme. Ils vont venir te présenter leur diplôme. Oh, j'ai le PhD, j'ai ceci, j'ai cela, je travaille à tel endroit, je fais ceci, je fais cela. Oui, c'est bien beau, mais où est la place de Jésus-Christ dans ton cœur? Parce que si Jésus-Christ n'est pas pleinement roi dans ton cœur, avec tout ce que tu es, avec tous tes titres, avec tout ce que tu n'es pas, tu vas finir séparé de lui à tout jamais. Et Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. Alors c'est pour cela qu'il te dit, viens à moi avec et charge-toi de ta croix. Viens avec moi et charge-toi de ton bagage, de tout ce qui est lourd. Et pendant que tu viens, Jésus-Christ te dit, déposez sur moi tous vos fardeaux. Il dit, regardez, mon joug est léger. Il dit, déposez cela sur moi. Parce que quand tu viens et que tu déposes tout sur les épaules de Jésus-Christ, il les porte pour toi. Il est devant le trône intercédant pour toi. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons saisir, non pas seulement dans nos pensées, mais de manière pratico-pratique. On doit l'appliquer à notre vie de tous les jours. Et ça, cela fera qu'on sera des chrétiens vraiment libérés de certaines choses et on va vivre pleinement la délivrance que Jésus-Christ nous a accordée. Amen. Alors, vous savez, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à nous garder dans les liens des ténèbres, les liens des esprits, les liens des démons. Alors, c'est faux de dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est qu'un mensonge de l'ennemi pour te garder dans tes liens. Il y a des gens, dès que tu les vois, tu les vois et tu sais qu'ils sont chargés à bloc. Chargés à bloc avec le monde des ténèbres. Mais ils se convainquent que bon, ok, ils sont chrétiens et que tout va bien. Non, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a qu'à venir devant le Père pour dire, papa, tu sais quoi, papa? Je suis fatigué de cette lourdeur sur moi. Je suis fatigué de porter ce que je porte. Papa, je veux tout simplement être libéré, délivré. Ça, c'est très important. Regarde, excusez-moi, si tu es quelqu'un, par exemple, qui vient d'une famille, exemple, d'une famille qui a pratiqué les choses occultes, les choses mystiques, les cultes des ancêtres, le vaudou, la sorcellerie, toutes sortes d'histoires, tu peux être sûr et certain que tu es lié. Tu peux être sûr de cela. Si tu n'as pas toi-même procéder à ta délivrance. Si toi-même tu ne t'es pas mis là à briser les chaînes, tu peux être sûr que tu es lié. Complètement lié. Bien que tu suives Jésus, bien que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as ces liens-là. Pourquoi? Parce que autant toi qui es chrétien aujourd'hui, tu pries pour tes enfants, autant eux qui étaient dans l'occultisme et toutes ces pratiques-là, ils ont prié pour toi. Ils t'ont consacré à ce Dieu-là de la famille, ce génie-là depuis des générations, etc. Ils t'ont consacré. Et aujourd'hui, tu viens, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il y a une cassure entre, au fait, Jésus-Christ qui est la lumière et puis ce Dieu-là que ta famille adorait qui est ténèbres. Alors, avec cette cassure-là ne suffit pas. Il y a une cassure, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a une cassure. Alors cette cassure-là que tu as établie en donnant ta vie à Jésus-Christ n'est pas suffisante pour que tu sois complètement délivré de toutes ces choses-là qui, malheureusement, sont tombées sur toi malgré toi. C'est-à-dire que tu n'as jamais souhaité cela, mais cette personne-là, qui était soit ton grand-père, ton père, ou bien je ne sais pas, ton arrière, il a prié et il a prié pour toi à son génie. Alors ces prières-là courent. Depuis des siècles. Ça court. Parce qu'une prière, elle ne meurt pas. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, faites attention. Parce que les hommes seront jugés à cause des paroles qui sortent de leur bouche.
Les hommes seront jugés par les paroles qui sortent de leur bouche. Alors faisons très très attention à ce que nous disons. Parce que ces paroles-là, elles continuent de courir jusqu'à dans l'éternité. Ils courent. À moins que tu viennes te repentir et tu dis, Seigneur, je te demande pardon, je brise, j'annule ce que j'ai dit. Les paroles continuent de courir. Alors, si tu es donc quelqu'un qui vient d'une famille comme ça, où les parents étaient des magiciens, des rosicruciens, francs-maçons, illuminati, vaudous, tout ce que tu peux imaginer, tu es lié. Je suis désolée de te le dire, tu l'es. Mais il n'y a pas une honte. C'est de venir devant Dieu pour dire, papa, ah, voici, je viens d'entendre que je suis lié. Montre-moi, ouvre-moi mes yeux pour que je vois si je suis lié. Ou bien c'est devenu pour dire, papa, je me sens lourd. Je t'appartiens, mais je me sens lourd. Je n'ai pas cette joie-là. Est-ce que tu veux ouvrir mes yeux pour me montrer ce qui se passe? Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Mais s'il te plaît, quand tu vas faire une telle prière, dis au Seigneur que peu importe ce qu'il va te montrer, tu vas supporter. Parce que si tu pries comme ça, le Seigneur va te montrer ce qui se passe effectivement dans ta famille. Alors ne fuis pas. Ne dis pas, oh non, au nom de Jésus. Non, 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 non. Parce que quand tu seras prêt à te libérer de toutes ces chaînes-là qui te gardent captif, alors fais cette prière-là. Le Seigneur va te montrer, au fait, tous les liens qui te gardent captif. Vous savez, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je l'ai souvent, souvent dit dans mes vidéos. Alors, je suis la première d'une famille, deux personnes qui venaient de se marier. Alors, mes parents étaient très, très jeunes. Quand mon père a épousé ma mère, mon père avait 20 ans, ma mère avait 15 ans. Parce que d'où mes parents viennent, on se marie très, très jeune. Et mon père venait d'avoir un boulot, alors il fallait qu'il parte. Alors, il s'est marié, il est parti avec sa femme. Alors, ils sont partis. Ils étaient jeunes, hein, vous imaginez, 20 ans et 15 ans, c'est très, très jeune. Alors, quand moi, je suis née, ma mère avait 16 ans, mon père avait 21 ans. Pas vieux, vous comprenez. Alors, ils sont loin dans leur lieu de travail, et puis subitement, en tout cas, l'enfant est né, et ils veulent aller présenter l'enfant aux parents. Parce qu'après tout, c'est le premier petit enfant de chaque côté. Alors, ils sont partis, ils ont pris l'avion, ils sont arrivés. Ah, Dieu merci pour moi, je suis arrivée d'abord dans ma famille maternelle. Parce que mon grand-père maternel était un serviteur de Dieu. Alors, je suis arrivée là-bas et les Américains qui leur avaient amené la parole de Dieu étaient aussi là-bas encore. Ils étaient là. Dieu merci, bébé arrivé. Alors, ces gens-là, les Américains, mes grands-parents, ils ont prié pour moi, ils m'ont béni. C'est la raison pour laquelle je suis ici en train de vous parler. Parce que, après mes parents maternels qui étaient dans cette petite ville-là, il fallait aller visiter mes parents paternels. Or, mon grand-père paternel, lui, il n'était pas dans les affaires de Jésus. D'ailleurs, même, il était fâché contre son fils, mon père, qui épousait une fille qui avait la lumière. Mon grand-père était fâché. Il ne voulait pas que de la lumière vienne dans la famille. Parce que, bon, les génies, ils ne veulent pas de ces choses-là. Mais toujours est-il que mon père s'était converti, Dieu lui a montré sa femme, et Dieu a parlé à mon grand-père pour dire, non, non, c'est ton beau-fils, le mari à ta fille, etc., etc. Alors, ma famille maternelle a dû s'aligner à la volonté de Dieu. Et les voilà partis dans ma famille paternelle. Alors on arrive au village de mon père. Ah, en tout cas, première nuit. Alors ils ont dit, cet enfant ne va pas vivre. Elle ne vivra pas. Alors, en tout cas, par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu a parlé à quelqu'un. Et puis, par la grâce de Dieu, en tout cas, mes parents ont pu voir que j'étais en danger. J'étais, en tout cas, apparemment, j'étais presque morte déjà. Alors, Dieu est bon. Et j'ai pu revenir à la vie, on a prié pour moi, et puis bon, tout ça. Mais toujours est-il que quand mes parents sont repartis avec moi, en tout cas, Dieu merci pour les autres. Mes autres frères et sœurs, ils n'ont pas eu à subir ce que j'ai subi parce que mes parents ont été tellement traumatisés, parce qu'ils ont failli perdre leur enfant là-bas, qu'ils n'ont plus fait subir le sort aux autres enfants. Ils n'ont plus envoyé des enfants là-bas pour visiter les grands-parents à quelque part. Mais toujours est-il que je suis restée avec ce traumatisme-là dans mon esprit à quelque part. Alors, bon, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur très tôt, en tout cas, etc., etc. Mais à un moment donné, dans la quarantaine, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui me bloquait, c'est-à-dire que je n'arrivais pas. Il y avait toujours quelque chose qui me bloquait. Alors, je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui me bloque, je ne peux pas savoir c'est quoi, mais révèle-moi. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a révélé que j'étais bloquée à quelque part par une peur. Il y a une peur qui m'avait traumatisée. Et cette peur-là, ça remontait à mon enfance. Ça remontait quand j'étais bébé. Et ça me paralysait. Et je n'avais pas connaissance. Je sais seulement que mes parents, à un moment donné, m'ont dit, quand j'avais autour peut-être de 15 ans, ils m'ont dit, tu sais, tu as failli mourir.
Et ils m'ont raconté un peu ce qui s'était passé. Alors, on a ri, on a trouvé ça spécial et tout. Mais quand ils ont eu raconté, ils avaient encore les larmes aux yeux parce que c'était une situation difficile pour eux. Mais toujours est-il que c'est dans la quarantaine que le Seigneur me révèle que, en tout cas, ce que j'ai vécu dans l'enfance là, c'est resté quelque chose, vraiment une peur, une panique dans mon esprit qui fait qu'à certains moments, j'étais bloqué carrément. Je voyais des choses et au lieu d'avancer, je bloquais. Comment on appelle ça? Je paralysais. Alors là, le Seigneur m'a dit, non, c'est passé. Ça, c'est passé. Et tu dois prier pour prendre ton autorité sur cette chose-là qui t'est arrivée. Et qu'est-ce que le Seigneur me montrait? Il me montrait que c'était un esprit démoniaque qui était là, qui, au fait, faisait tout cela pour me garder dans cette situation-là. Mais moi, je n'avais pas conscience. Alors, il a fallu que je me lève, que je prie, que je brise. Et je brise, je brise, je brise pendant un certain temps. Et même aujourd'hui où je vous parle, à certains moments, quand je me retrouve paniquée devant une situation, je m'arrête, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, par la grâce de Dieu, je retourne à ce moment-là parce que très souvent, la panique ou la peur, c'est pour t'empêcher d'aller dans la direction de Dieu. Amen. Alors, très très souvent, quand Dieu veut faire quelque chose avec moi, quand il veut m'envoyer quelque part, quand il veut que je fasse quelque chose, très souvent, il y a cet esprit-là ou ce démon-là qui va un peu tourner autour comme pour me bloquer. Alors, dès que j'ai conscience de cela, au nom puissant de Jésus, je lis, je chasse et puis, allez, je fonce dans ce que le Seigneur me dit parce que le Seigneur, il est lumière et quand il t'envoie quelque chose quelque part, c'est pour la délivrance. Amen. Alors, il est donc, je donne cet exemple-là pour vous dire que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas juste que, bon, c'est telle personne et tout. Bon, écoutez, un bébé, qu'est-ce qu'il a à voir dans les histoires de tout ce qui se passe? Et puis, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ce qui se passe? Rien. Mais ils se sont retrouvés à subir quelque chose malgré eux. Ils ont failli perdre leur bébé. À partir de là, ils ont saisi la leçon pour les autres. Mais ils ont dû passer par des moments très, très éprouvants. Et parce que Dieu était là, que Dieu a dit que cet enfant-là, je l'ai appelé pour quelque chose, l'ennemi n'a pas pu aller plus loin, quoique l'ennemi a tenté. Alors, de faire, en tout cas, ce qu'il voulait. Alors, question de vous dire que, regardez, on n'est pas toujours conscient de ce qui s'est passé dans nos familles. Si on a connaissance, il est important de s'arrêter et de prier pour briser. Si on n'a pas connaissance, alors priez pour que le Seigneur vous montre c'est quoi. Et puis quand on brise, on ne brise pas une seule fois et puis c'est fini à vie. Non, non, non. Comme c'est dit dans la parole de Dieu, Satan est venu tomber, tenter Jésus-Christ, pardon. Et la Bible dit que alors il s'est éloigné attendant une autre occasion. C'est ça qui est dit. Que Satan s'est éloigné attendant une autre occasion. Question de dire que Satan revient toujours, hein? Il ne se lâche jamais. À un moment donné, il revient et se dit que bon, ok, il y a un signe de faiblesse par là, je vais retourner pour voir. Et puis le Seigneur permet ça aussi pour tester aussi ta foi, pour voir jusqu'où tu es solide pour avancer. Alors, c'est-à-dire que c'est la vie, la marche jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver devant Dieu le Père. Alors, c'est faux de croire que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, et que Jésus-Christ a tout payé. C'est faux de croire que toi, tu n'as rien à faire, et que tu croises les bras, et puis tu marches comme un pharisien ou bien un sadducéen, et puis là, en se disant que, oh Dieu le Père, et puis comme si, comme si. Comme certains font, dès que tu les vois, tu regardes, tu dis, oh, voici les pharisiens du siècle, du 21e siècle. Juste en train de jouer un type de comédie. Non! La vie, la marche avec Jésus-Christ, c'est une marche de pratique, de pratico-pratique. C'est-à-dire, il faut que tu t'arrêtes à quelque part, que tu dises, Seigneur, ça ne va pas. Il faut être honnête. Il faut être véridique avec soi. Et puis, tant pis. Si les autres nous traitent de ce qu'ils traitent, ça, c'est leur problème. La Bible dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confiera en l'homme. Question de dire que tout ce que tu dois faire, ça doit tirer sa source en l'Éternel, lui seul. C'est lui qui doit être ton confident. C'est lui qui doit te dire, par exemple, va parler à Isabelle, va parler, par exemple, je sais pas, à Ronald, je sais pas, va parler parce que j'ai mis dans sa bouche des paroles pour toi. Mais avant toute chose, viens voir le Seigneur. Mets-toi à prier pour lui dire, Seigneur, il y a ceci, il y a cela. Et le Seigneur va t'aider. Amen. Donc, dans les liens, donc, on peut se retrouver avec les liens de famille.
Et ça, malheureusement, c'est des choses qui sont fréquentes partout, peu importe la race, le peuple, la génération, peu importe. Seulement qu'aujourd'hui, en Occident, les gens ont tout rendu avec des psychologues et puis, je sais pas quoi, comment les appelle, en tout cas les psychologues et puis leurs dérivés. Alors quand ça ne va pas, au lieu que l'enfant de Dieu prenne sa Bible, il dit, oh, je vais aller voir un psychologue et tout ça, ils s'en vont voir les psychologues. Qu'est-ce que le psychologue dit? Le psychologue dit, ah ouais, je vois que ça ne va pas bien et tout, et puis bon, on te donne des comprimés. Alors, on te donne des comprimés, et avec les comprimés, tu deviens endormi plus que tout. Tu es en train de marcher, tu dors. Tu marches debout et tu dors. Et là, le psychologue vient de te lier complètement. Et toi, tu t'assois, tu prends les comprimés. Oh, ça m'aide. Et puis bon, ça m'aide. Non, 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 non. Il faut sortir. Il n'y a aucun psychologue qui va t'aider à arriver au ciel. Ça, c'est dur ce que je dis. Mais le psychologue jamais ne t'aidera à arriver au ciel. Il va plutôt fermer la porte du ciel pour toi. Alors, si tu as un problème, au lieu d'aller voir un psychologue, viens t'asseoir, prier, parle à Jésus, il va t'éclairer, il va te dire d'où vient ton problème. Alors, ton problème, ce n'est pas la solution, n'est pas les comprimés. Va prier. Si tu te mets à prier, il n'y a rien qui résiste devant la puissance du Saint-Esprit. Rien, rien ne va rester là. Et puis, ce que tu as là dans ta tête et que tu as besoin d'un psychologue pour les comprimer, si tu pries, ça va partir au nom puissant de Jésus. Alors, tu as besoin de prière, pas de psychologue. Parce qu'aller chercher un psychologue, c'est un peu une vie de paresse. La paresse veut qu'on se là, on se prélasse là, on se dit, le psychologue, ouais, le psychologue. Non, t'as pas besoin de psychologue, excusez-moi. Peut-être que vous allez trouver que je suis dur, mais on n'a pas besoin de psychologue, nous les enfants de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il n'y a rien qui résiste. Amen. Donc voilà que le Seigneur vraiment puisse t'éclairer sur ce domaine-là. Alors, donc il y a des liens qui viennent de nos familles. Et puis, l'exemple même, c'est dans Jean 9, le verset 1 à 3, où cet aveugle né, les disciples ont dit à Jésus, hey, « Hé, Seigneur, en tout cas, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien est-ce que c'est lui? » Question de dire que les parents peuvent se retrouver à être la cause du lien de leur fils. Alors, maintenant, ça peut être que c'est le fils. Comme ici, Jésus-Christ a dit, ce n'est ni les parents ni le fils. Mais ça peut être que tu es lié parce que tu as ouvert les portes, par exemple dans une vie de péché. Exemple, tu es quelqu'un, tu aimes le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus, et que dans l'histoire de ta famille, il n'y a pas de lien, parce que Dieu dit quoi? Il dit, je bénis jusqu'à 1000 générations, et je punis jusqu'à 4 générations. Alors, suppose que depuis 4 générations, il n'y a plus de lien, tout a été brisé par tes aïeuls et tout, et puis que tout est clean. Mais toi, tu as ouvert la porte dans ta vie, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et au lieu d'être bouillant, tu as tout simplement marché comme un chrétien tiède. Alors, si tu es un chrétien tiède, ben, les esprits vont t'attiédir davantage. Alors, tu es maintenu là, dans ta vie de péché. Et puis, quand tu vas à l'église, tu sers le Seigneur. Tout le monde voit que tout est correct avec toi. Et puis, on ne voit aucun péché. Mais, en secret, par exemple, tu aimes bien rincer tes yeux. Excusez-moi de dire rincer. Tu aimes bien rincer tes yeux avec les belles filles ou bien les beaux garçons. Alors, quand tu les regardes, ah, tu es séduit. Tu dis, c'est une belle femme. Et puis, tadati, tadata. Alors, suppose que c'est ça. Mais ça, c'est un péché. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, celui qui regarde une femme dans son cœur pour l'envier commet déjà l'adultère. Alors, ça, c'est un péché. Alors, si tu demeures dans ce péché-là, même si personne ne le voit, ça c'est une porte grande ouverte pour les esprits. Parce que ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Et les esprits aussi. Parce que les esprits, vous savez quoi? Les esprits te voient très bien. Ils te voient très bien. Toi, tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. Ils voient pleinement ta lumière ou bien ils voient une pénombre sur toi. Ils voient pleinement ce que tu fais. Et puis à un moment donné, ils se disent que, il est temps d'aller, en tout cas, séduire davantage ce monsieur-ci ou bien cette femme-ci. Parce qu'elle laisse trop la porte ouverte. Et très souvent, le Seigneur permet que tu sois livré pour qu'en plus tu puisses régler ce problème-là. Parce que souvent, on a les péchés cachés. Et quand ça vient et que c'est ouvert, et puis là, ça nous réveille. C'est comme, ah Seigneur, viens à mon secours, je suis tombé. Et puis, ta, 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 ta. Et c'est difficile pour ta chair, mais la gloire de Dieu est qu'une fois que tu es dedans, tu dis non, 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 trop, c'est trop, je vais sortir de cette affaire-là. Alors il est donc important que nous puissions nous assurer que nous ne sommes pas ceux-là qui ouvrons les portes sur nous. Amen. Donc vous savez, il y a un pasteur, il y a un témoignage d'un pasteur qui disait qu'un homme est venu le voir pour lui dire que pasteur, je viens vous voir parce que quand vous prêchez tellement la vérité et tout, mais j'ai un problème, c'est que j'ai une maîtresse et puis ma femme n'est pas au courant. Si ma femme sait, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Pasteur, aidez-moi, je prie, ça ne marche pas. Le pasteur lui dit, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas à votre femme?
parce qu'elle va vous aider. Il dit, oh non, surtout pas elle, parce que si elle est au courant, c'est grave pour moi. Elle va me chasser de la maison. Le pasteur dit, non, mais vous devez parler à votre femme. Il dit, oh, pasteur, aidez-moi. Le pasteur a prié avec lui. Et le monsieur est parti. Et quand le monsieur est parti, le pasteur a dit, non, 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 non. Il dit, je ne veux pas garder cette histoire-là. Comme si je cautionnais. Il a pris son téléphone. Il a appelé la femme du monsieur. Lui dit, madame, votre mari arrive. Il m'a déjà parlé. Mais je viens vous dire que votre mari a tel, tel problème avec telle, telle femme et tout, tout ça. Réglez ça au plus rapidement possible. Je ne veux pas que vous le fassiez du mal. Mais il faut régler ce problème-là immédiatement. Parce que c'est, si vous voulez le sauver, alors aidez-le. Alors évidemment, le monsieur, dès qu'il est arrivé à la maison, la femme l'a accueilli avec un coup de poing. Excusez-moi de rire. Elle l'a accueilli avec un coup de poing. Elle a bien bastonné, mais elle a fini par régler le problème avec son mari. Et ils étaient à nouveau un couple vraiment extraordinaire où la grâce de Dieu coulait. Elle a pardonné, mais du premier coup, en tout cas, elle était dans toute sa colère et puis elle s'est aussi défoulée sur lui, mais elle a réglé le problème et le monsieur, il a béni le Seigneur et il a béni le pasteur. Il dit que, ah, pasteur, ça a été rude, mais je suis sortie de cette situation-là parce que vraiment, non, je bénis le Seigneur parce que, en tout cas, je suis délivrée. Bref, question de dire que, vous savez, à cacher les péchés, on ouvre davantage la porte aux esprits. C'est mieux de les avouer. Alors, la personne la plus proche à qui tu peux avouer ton péché, c'est celui avec qui, ou bien celle avec qui tu vis, parce que tu as péché contre elle. Maintenant, si tu penses que cette personne-là, elle est telle que vraiment il n'y a pas moyen, tu peux trouver une sœur, un frère en qui tu as confiance et tout, à qui tu parles, et puis vous priez les uns l'un pour l'autre. Et évidemment, l'autre doit être assez honnête, assez craintif devant Dieu pour ne pas aller prendre ton péché pour le diffuser. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas avec le phénomène des journalistes, dès que tu confies ton péché à quelqu'un, ah, lui aussi il prend son micro et il compose tous les numéros de l'église. Il dit, écoutez, telle personne, tout le monde dit, écoutez. Alors, ce n'est pas de ça qu'il est question, vous savez. Alors, il est donc important que tu puisses t'organiser pour sortir de tes péchés parce que ça ouvre des portes grandes aux esprits méchants, aux démons. Et puis, si tu ne règles pas ça, à la fin, tu ne dois pas te retrouver avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse purifiée, une épouse sans tache ni ride. Il ne vient pas chercher une petite copine. Il ne vient pas chercher une prostituée. Il vient chercher une qui s'est purifiée pour lui. Amen. Donc, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusqu'au bout parce que j'ai l'impression que ma vidéo n'a pas beaucoup d'espace sur ma tablette. Mais toujours est-il que le troisième élément que nous devions aussi régler, c'est notre vision. Alors, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je viens encore parler ici. Et écoutez, je n'ai pas cité des passages tantôt quand je lisais. J'ai cité le passage de Jean sans le lire, Jean 9, le verset 1 à 3, où les disciples ont demandé à Jésus si c'est le gars qui a péché ou si ce sont ses parents. Mais en ce qui concerne notre vision, c'est-à-dire que ce que nous regardons, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 6 à partir du verset 22. J'aimerais ça qu'on lise parce que Jésus-Christ a bien mentionné ça, disant que notre vision... Et ce qui ouvre les portes sur les esprits mauvais. Il l'a clairement dit et il est important que nous en prenions conscience et que nous puissions marcher en fonction de cette vérité-là. Alors, Matthieu 6, le verset 22, ça dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres-là? Donc voilà. Alors, dans Luc 11, le verset 35, j'aimerais aussi lire. Luc 11, verset 35. Excusez. Alors, Jésus dit ceci. Luc 11, verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Je répète, si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc voilà, c'est assez clair. Alors tu ne peux pas dire que
tu sers le Seigneur et à certains moments, tu t'échappes quand même en disant que bon, aujourd'hui, je veux regarder quand même un film. Il paraît que c'est un bon film qui vient de sortir. Et pendant que tu as ça pour regarder le film, il y a toutes sortes de scènes et tout. Mais déjà, même dans le principe d'être adonné à ce divertissement-là, alors tu te fermes déjà la porte parce que Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses d'Hollywood là. Je préfère te le dire tout de suite. Si tu es quelqu'un qui a soif du Seigneur, qui aimerait entendre clairement la voix de Dieu, qui aimerait voir ses rêves, recevoir ses visions, je viens déjà te dire que la télévision, Internet et toutes ces choses-là te cachent beaucoup de la vision du Père. Alors il est donc important que tu puisses t'assurer que ce que tu vois, c'est ce que tu regardes vraiment ne vient pas t'obscurcir dans ta relation avec Dieu. Souvent même, le film peut être bon en soi, mais est-ce que les acteurs, tu les connais? Est-ce que tu sais si ces acteurs-là sont des agents du diable, des Illuminati, des sorciers, des n'importe quoi? Tu t'assois, tu les regardes. Pourquoi tu vas tu les regarder? Parce qu'ils peuvent être un véritable écran pour toi, dans ce sens que pendant que tu ne les vois pas, c'est-à-dire que pendant que tes yeux spirituels ne sont pas activés, il se pourrait qu'ils soient vraiment un écran noir devant toi et tu les regardes, tu es là, tu ris, alors que tu es en train de t'envoyer, comment on appelle ça, comment on peut dire ça? Tu es en train d'envoyer des écailles, pardon, épaisses au niveau de tes yeux, de telle sorte que tu ne vois plus. Donc, il est donc très important que tu puisses réorganiser ta vie en fonction de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta priorité. Et l'endroit où ta vision sera claire à tous les jours, c'est lisant la parole de Dieu, c'est lisant ta Bible. Ce n'est pas dans ces choses-là, ces divertissements-là. Donc, il est donc très, très important que tu règles ça pour toi-même. Parce que tu peux t'arrêter pour dire que non, mais finalement, c'est difficile de suivre le Seigneur. Non, ce n'est pas difficile. Plus tu aimes Jésus, plus il va te donner davantage pour que tu puisses l'aimer. Celui qui produit du fruit, je l'émonde afin qu'il produise plus du fruit, dit Jésus-Christ. Alors, c'est à choisir. C'est à prendre ou à laisser la vie avec Jésus-Christ. Jésus-Christ ne vient pas nous supplier de l'aimer. Non. Il dit, si tu veux me suivre, renonce à ta vie, à toi. Et porte ta croix. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, il est donc important que tu t'arrêtes encore aujourd'hui, que tu décides, est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus-Christ? Et si c'est ça que tu veux faire, Jésus-Christ va te le rendre correctement. Mais si tu ne veux pas aussi, c'est bien. Mais ne te trompe pas toi-même. Ne te séduis pas toi-même par des faux raisonnements. Amen. Donc, il est très important que tu puisses vraiment y voir. Que tu puisses voir comment régler ce problème-là à ton niveau. Alors, dans le Proverbe 4, le verset 18, j'aimerais lire rapidement. Proverbe 4, verset 18, plaise à Dieu que la vidéo ne puisse pas s'arrêter. Proverbe 4, le verset 18, ça dit ceci. Alors, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ce passage est là en train de nous dire que le chemin du juste, la lumière du chemin du juste est croissante. Ça veut dire que pendant que tu marches avec Jésus-Christ, tu peux commencer avec une petite lumière. Petit à petit, cette lumière-là, elle devient vive. Et puis, tu es éclairé, un peu comme la lumière du plein midi, et vraiment qui frappe, qui brille. Et puis souvent même, ça peut faire mal aux yeux, surtout quand cette lumière-là frappe sur la neige. Et puis, elle t'éclaire, et puis tu es ébloui. C'est ça que Proverbe 4, verset 18 nous dit. Alors, si tu es un enfant de Dieu, il t'informe ce proverbe-là que ta vie devrait être comme ça. Si à un moment donné ta vie n'est pas comme ça, remets-toi en question. Ne remets pas le Seigneur Jésus-Christ en question. On a vu dans la vidéo d'hier que chacun est attiré par sa propre convoitise. Alors ne passe pas ton temps à dire, oh, les démons ont fait ceci, oh, ceci a fait cela. C'est toi qui ouvres les portes aux démons. Et en plus de cela, qu'est-ce que ton cœur aime? Parce que si ton cœur aime vraiment Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir et il va te purifier complètement. À chaque étape, il va te dire, mon fils, ne passe pas là, ôte ceci. Il va te montrer tel péché. Il va te demander de les ôter, de l'enlever. Mais si toi, au fait, tu aimes la chair, tu te vautres dans la chair, alors arrête de te tromper toi-même et règle ce problème-là, s'il te plaît, parce qu'il y va de ta vie spirituelle, de ta vie éternelle. Donc voilà. Alors, la Bible dit aussi que celui qui relâche dans ce qu'il fait est frère de celui qui détruit.
Alors, tout cela pour te dire que puisque tu as commencé une œuvre, puisque tu es sur le chemin de la sanctification et que tu sais que nul ne peut arriver au Père que par la sanctification et par une vie de paix avec son frère et puis sa sœur, il est donc important que tu ailles jusqu'au bout. Parce que si tu as commencé une œuvre et que tu t'arrêtes en cours de route, alors tu es comparable à celui qui est en train de détruire l'œuvre que lui-même est en train de faire. Alors moi, je viens t'encourager à aller jusqu'au bout de cette étape-là de ta vie. Ce n'est pas facile, mais gloire soit rendue à Dieu. On va se retrouver tous devant le Père un jour et on va se réjouir de ce que la chair n'a pas eu le dessus sur nous. Amen. Alors voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul pont. Le monde nous dit qu'il y a plusieurs religions qui nous conduisent au ciel. Et puis bon, voilà, on étudie ça même sur les bancs. Mais il y a une seule personne qui sauve, et c'est Jésus. Et il ne nous l'a jamais caché. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ, tu ne le regretteras jamais. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Merci.